Oui, oui. Il est rentré pour moi. Mais voilà, comment on dit, la révolution pédagogique, sinon vous êtes en islam, c'est pas la révolution de l'islam. Nous sommes certainement la synthèse de tout ce qui est la culture. Parce que nous sommes dans cinq domaines majeurs de la culture, à savoir les productions végétales. Et quand je parle de production végétale, ça part de la sélection de la variété. Son amélioration, les semences, les techniques de culture, jusqu'à ce la pomme de corps. Nous sommes également présents sur les productions des santé animales, la diagnostic des maladies, la production des vaccins, l'alimentation des animaux et la génétique. Nous sommes présents sur la pêche. Ça va de la gestion des ressources, de l'écobiologie, l'aquaculture et même on a un parcours de recherche qui nous permet de poursuivre la ressource. Nous sommes également présents sur l'environnement et la ressource forestière. Donc actuellement nous travaillons beaucoup plus à domestiquer certains petits forestiers qui ont une institution économique mais qui ont tendance à disparaître. Mais nous travaillons également à préserver notre environnement. Nous sommes également présents sur ce qu'on appelle les produits agricoles et les administrations de l'UNEDA. Donc ce sont les cinq domaines majeurs sur lesquels tout ça est. Bon, non, je vais peut-être marquer un peu sur la santé parce qu'actuellement il y a la propre santé est là. Mais ce que les gens doivent savoir, nous faisons face à une maladie virale. Or, quand une maladie virale n'est pas dans un pays, on ne vaccine pas avec le vaccin. Si on vaccine avec la maladie, c'est pourquoi cette virale. On n'a pas de vaccin parce qu'il n'y avait pas encore cette maladie. Et encore, une maladie virale, son problème, c'est qu'à chaque épidémie de virus, de grippe, un virus différent. Donc ce qui fait que la vaccination n'est pas facile. Ce qu'on peut faire le plus souvent, c'est de se contre la maladie, de soigner les animaux contre les maladies opportunistes, comme la grippe, etc. Je suis avec le docteur de la dynamique qui peut peut-être vous dire ça. Donc c'est pour dire que bon, nous sommes là pour accompagner la production au sens propre du terme. Donc vous voyez ici un certain nombre de variétés de semences, parce que nous avons cette mission de créer les variétés, de sélectionner et de produire les semences sur la pré-base. Bon, et ça en fonction des zones agroécologiques. Tout le monde connaît que bon, on a pu mettre beaucoup de lumière, mais nous avons le devoir de pouvoir créer des variétés qui s'adaptent aux différentes zones agroécologiques. Sûrement sans ce travail, on n'aurait pas encore de l'agroécologie à lumière chez vous, etc. Mais aujourd'hui, on a des variétés qui sont adaptées à toutes les zones. Le mil également, on a travaillé beaucoup plus sur des mil fortifiés, mais aussi des mil à double usage. Parce que bon, il faut savoir ce que veulent les gens. D'ailleurs, quand on sélectionne, il faut qu'il y ait une participation de chaque participant. Quand on parle de mil à double usage, c'est une mil qui donne des graines, mais aussi qui produit beaucoup de biomasse pour les animaux, mais aussi pour les palissades, etc. Donc on essaie de voir ce que veut la population et nous, on essaie de répondre à cela. Vous êtes bienvenue. Ça, c'est le but de Benoît. C'est l'assainissement du matériel. On a dit tous les programmes de production de bananes, d'attaque, nous faisons l'assainissement. Et c'est pas seulement avec la banane qu'on fait banane fou. L'intérêt de cela, c'est qu'on peut apporter un petit maillot de morceau de tissu avant de venir de banane. Assainir, c'est ça qui sont là. C'est toutes les informations que vous avez. Oui, mais ils connaissent bien. Monsieur le Président, vous dites. Si nous n'avons pas de courage, nous n'avons pas de courage. Tout est là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vos amis sont là. On se connaît. Je ne connais plus maintenant. Toi aussi.